Alors ce soir, ce sont des médailles d'honneur, bien entendu, tricolores, comme vous pouvez le remarquer, mais ce sont également des médailles en chocolat, parce que bien entendu, c'est ça qui va savoir, hein, c'est de ça qu'on parle, hein, c'est de ça qu'on se moque. Donc, Monsieur le Président, très ému. On n'a pas de médailles. On n'a pas de médailles. Pour un moment historique. On n'a pas de médailles. Jamais dans le 20e. Donc, c'est à vous, Monsieur le Président. Mes chers compatriotes, ça marche? Oui, oui. Ça marche bien. Je suis aujourd'hui devant l'hôpital Thonon et je ne peux m'empêcher d'exprimer une très vive émotion. Une vive émotion pour les personnels des hôpitaux, médecins, infirmières, ambulanciers, aides-soignants, agentes hospitalières, les agents des SAMU de nos hôpitaux et plus largement les médecins de ville, l'ensemble des personnels du service public de la santé qui se sont engagés depuis le début de la crise avec dévouement et efficacité. Ce sont nos héroïnes et héros en blouse blanche, des milliers de femmes et d'hommes admirables qui ont accepté de prendre du temps sur leur vie personnelle et familiale pour notre santé. Nous les applaudissons chaque soir et nous leur dirons jamais assez merci. Je tiens aussi à remercier toutes ces aides à domicile, caissières, personnel du nettoyage, de la grande et moyenne distribution, du petit commerce, de la poste, de l'éducation nationale, de l'agriculture. Elles ont été fantastiques et ont permis que notre pays tienne encore debout pendant l'épreuve pharaonique que nous avons dû surmonter. Elles aussi ont droit à ma gratitude infinie et à mon plus grand respect. Je ne peux pas oublier ici d'autres femmes qui se sont surpassées durant le confinement. Je veux parler ici des mères de famille, les femmes à la maison et pour beaucoup en télétravail, qui ont géré le plus souvent seules les enfants confinés, les courses, le ménage, l'éducation, l'école, les loisirs, le stress et l'angoisse. Je leur envoie ma reconnaissance éternelle. Pour remercier toutes ces femmes hors du commun, pour les récompenser, elles qui se sont dévouées pendant la crise du Covid-19, j'ai décidé de réactiver la médaille de l'engagement face aux épidémies. La patrie leur est grandement reconnaissante et a pleinement conscience de la dette contractée envers elles. Leur accorder cette médaille avec tous les honneurs, c'est déjà s'acquitter un peu de cette dette. Bravo et merci encore. Je vais maintenant procéder ici à la remise des décorations. N'oublie pas toutes les femmes des associations. Je suis très touchée de votre délicatesse. Les collectifs, les ministres. Le 20e arrondissement, il n'en demandait pas tant. Donc, nous allons commencer par l'aide-soignante. Nous allons commencer par l'aide-soignante ici présente, qui est accompagnée d'ailleurs d'une personne dont elle s'occupe. Comme vous le voyez, je vais mettre la médaille aux deux alors. Donc, non mais on verra, non, c'est à l'aide-soignante, c'est président que vous vous trompez, parce que c'est à l'aide-soignante, mais si vous voulez aussi mettre à la personne handicapée, il n'y a pas de problème. Ah, oui. Je veux dire, mais les deux, mais les Léo, deux. Là. Ah, le chocolat n'est pas cher. Je demande d'applaudir, c'est pas le bon. De la patrie française, hein.
Oui. Avec ma plus grande reconnaissance et mon plus profond respect, ma grande admiration pour tout ce que vous avez fait. C'est déjà beaucoup. Bravo. J'avais mangé un petit bout, j'avais ça. C'est mon éternelle reconnaissance. Avec le chocolat. Oui, oui. Ça va pas? Non mais merci, c'est déjà ça. Alors j'ai complété de travailler en plus de mon travail d'aide soignante comme femme de chambre. Là j'ai un peu la double tenue. J'ai dit que je ferai un grand plan pour l'hôpital et d'ailleurs le Ségur de l'hôpital est en train de se réunir. Je serai très bienveillant vis-à-vis des médecins. Nous avons maintenant le plaisir d'avoir. Nous avons le plaisir d'avoir une représentante des travailleuses du TAD qui est là. Amina, nous sommes particulièrement émus de la voir. Bravo. Eh bien moi, je suis très émue, monsieur Macron. Oui. Je suis désolée de vous dire que votre médaille, vous pouvez vous la mettre là où je pense. Bravo. Si vous n'en voulez pas la médaille, ne dégoûtez pas les autres. Non, n'en faites pas les autres, ils sont aussi dégoûtés de votre comportement. Quel comportement? Je gérais très bien cette crise. Non. Le pays est à flot. Oui, bien sûr. Alors je tiens à vous dire d'abord que l'hôpital n'est pas une entreprise. Mais je le dis, c'était dans mon programme que j'étais contre la tarification à l'activité. Ouais. Bien sûr, je l'ai dit en 2017 et j'ai rien fait depuis, mais je l'ai dit. La santé n'est pas une marchandise. Je suis bien d'accord avec vous. Vous allez voir, avant le Ségur de l'environnement, on va tout changer. De l'environnement. Oh là 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 là. Je serai très bienveillant vis-à-vis des médecins. Bon, écoutez, monsieur, vos promesses, on n'y croit plus. On n'y croit pas. On veut des actes. Le pays est toujours debout. Il y a des négociations qui commencent. On veut carte sur table que vous jouiez le jeu. Alors, écoutez, dites-moi ce que vous voulez. Dites-moi ce que vous voulez. Est-ce que vous savez au moins ce que vous voulez? Oui, on veut une réforme complète du secteur public hospitalier. On veut le fait de détruire la rentabilité de l'hôpital. Il n'y a plus de paiement à l'acte. Il faut des... Ça, je l'ai dit en 2017, la tarification. Du prix pour l'hôpital public. 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 Du 14 juillet, on n'en veut pas. La médaille, on n'en veut pas. On veut des augmentations de salaire.
100 points de 10. Voilà. Yeah. C'est tout ce que l'on veut. Qui disait qu'ils voulaient réouvrir les lits qui ont été fermés. Vous dites même pas ça, vous, alors? Vous êtes que pour les points d'indice, là, de la fonction publique hospitalière? Alors, les lits fermés, c'est un manque de personnel. Le personnel ne veut pas venir à l'hôpital. On n'est pas assez payé à l'hôpital. Voilà ce qu'il faut. La revalorisation des salaires, c'est la chose la plus urgente, immédiate. Et on ne vous fait absolument pas confiance avec votre Ségur, là. Et même des policiers et de tous ceux qui travaillaient pendant cette crise. Et souvent, on les oublie. Et je voulais justement qu'on pense aussi à cette profession. Voilà. Très bien. Énormément de professions qui ont été en première ligne par rapport à la lutte contre le Covid
Et ce que je voulais dire, il y a eu beaucoup de femmes, on l'a dit, des caissières, des enseignants, des infirmières, des aides-soignantes, des agentes hospitalières, etc., etc. Et il y a eu une pétition sur l'égalité salariale qui a beaucoup circulé, réclamant effectivement l'égalité salariale. On a je ne sais combien de lois sur l'égalité salariale qui ne sont absolument pas appliquées. Il faut les appliquer à tout prix. Et ça, on n'a pas vu un quart de la moitié du discours de Macron parler de l'égalité salariale, parler de la revalorisation des métiers féminisés qui sont en général tout à fait déconsidérés. Et c'est quelque chose qui nous semble hyper important. Nous qui avons porté la manifestation du 8 mars et la grève féministe, qui voulons mettre en œuvre la grève féministe en France, la grève des femmes, il nous paraît que c'est un moyen d'action qui est quand même très très important. Nous allons effectivement continuer à lutter, il va y avoir plein d'interventions ici. Nous allons, on a un peu de temps devant nous, donc nous allons préparer le 8 mars 2021. Mais en attendant, on sera toujours là à faire des tas d'actions et tout, et que d'autres viennent parler, témoigner sur les violences notamment, hein, les femmes qui ont été victimes de violences conjugales, qui ont été enfermées 24/24 avec les agresseurs, les femmes, et ça on peut en parler puisqu'on est devant l'hôpital Tenon, qui s'est battue vaillamment pour le maintien de son centre d'interruption volontaire de grossesse, les femmes qui n'ont pas pu avorter durant le confinement et en général le gouvernement a refusé à de multiples reprises le fait de prolonger les délais de 2 semaines sur l'avortement. Voilà, donc c'est des choses quand même très très importantes et j'invite toutes celles et tous ceux qui veulent s'exprimer à le faire ici avec nous parce que c'est une lutte qu'on doit vraiment enclencher maintenant et c'est vrai qu'on sera avec les soignantes et les soignants dans la rue le 16 juin. Ça c'est déterminant, on fera un cortège féministe le 16 juin, on va contacter toutes les structures féministes pour qu'on le fasse tous ensemble. Ça c'est très bien. Bravo Suzy. Je vois qu'il y a Planif Familia qui peut-être viendrait nous dire quelques mots. Les copines du Planif Familia, je vous vois derrière. Peut-être que vous pourriez nous dire quelques mots concernant le droit à l'avortement. Non, ça va, bon, pas trop décidé. Peut-être Isabelle, tu viendrais dire quelque chose par rapport, nous dire quelques mots. Puis après, on demandera à notre copain Patrice de la CGT de venir également nous dire quelques mots. Vas-y. Donc j'interviens au nom du collectif du centre IBG Tenon. Voilà, on est toujours là. Et donc pendant le confinement, bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir que l'IBG a été mis à mal pour différentes raisons, sortir de chez soi, pouvoir venir ici, pouvoir avoir le choix dans la méthode. Enfin, tout un ensemble, les blocs n'étaient plus disponibles, ce n'était pas prioritaire, bien sûr, c'est jamais prioritaire. Donc il y a eu pendant le confinement des mesures qui ont été prises, la téléconsultation possible. Il y a eu aussi l'IVG médicamenteuse à domicile qui a été mise de 5 semaines de grossesse jusqu'à 7 semaines de grossesse. C'était possible. Donc voilà. Et en fait, tout ça pour dire que, bien sûr, il y a des choses, mais ça ne laisse pas le choix, en fait, aux femmes, parce que le but, c'est toujours qu'elles aient un choix. Et en fait, d'avoir repoussé, pourquoi pas, mais il faut qu'elles puissent aussi pouvoir le faire à l'hôpital. Certains réclament, il y a une tribune pour réclamer qu'on passe de 12 semaines de grossesse à 14 semaines de grossesse. Mais ce n'est pas suffisant en fait, parce que le choix des femmes, il faut poursuivre. L'IMG existe, donc l'interruption médicale de grossesse existe depuis longtemps. Il y a toujours eu pour la santé des femmes et ça n'a jamais été pris en compte. Mais ça aussi, ce n'est pas suffisant puisque depuis toujours, ça existe. Certains hôpitaux, notamment
notamment sur Paris, ont dépassé les délais, mais il faut aller au-delà, voilà, et que les femmes puissent toujours avoir le choix, sans les culpabiliser, faire des procédures simplifiées et continuer à augmenter les délais, car les femmes ont un cerveau, on n'est pas obligé de leur dire ce qu'elles doivent faire, c'est à elles de décider. Très bien. Pour la CGT, je vous prie de bien vouloir excuser Sud qui vraiment ne pouvait pas venir. Le collectif Tenon a été a tout le temps travaillé, et c'est quelque chose auquel on tient beaucoup, avec les syndicats CGT et Sud de l'hôpital qui nous ont à la fois soutenus et suivis. Voilà, donc moi je suis un clésardeux, j'ai bossé pendant 40 ans à l'hôpital Tenon et j'ai assisté donc à l'épidémie de sida, du SRAS, l'H1N1 et là aussi c'est intéressant de voir comment dans les années 80, en fait on a bien absorbé une épidémie considérable qui a fait énormément de morts. Mais à l'époque, l'hôpital avait des moyens et on nous a laissé libre choix de travailler, de mettre au point toutes les techniques qui ont été abandonnées 30 ans après pour se protéger au niveau des gestes, etc., qui est devenu naturel. Bien. Aujourd'hui, toutes les demi-heures, on nous fait peur à la radio pour ce virus. Moi, ce n'est pas le virus qui me fait peur. Ce qui me fait peur, c'est la totale incapacité de l'État français à prendre en charge une pandémie alors qu'on en a eu plein d'autres avant. Pourquoi ? Parce que nous, ça fait depuis E20, 91, on a mené des grèves extrêmement dures. Ça me raconte une chose fondamentale qui est toujours la même, la transformation de l'hôpital pour prendre en charge la population en hôpital industrie, l'hôpital high-tech. Aujourd'hui, l'hôpital Tenon a des services de pointe de très très haut niveau. C'est pas pour ça qu'il est capable de prendre en charge les soins courants de la population dans le quartier et plus loin. Donc c'est une défaite totale. Pourquoi ? Parce que un ministère comme le ministère de la Santé est parasité par des gens du CAC 40 depuis des dizaines d'années. Ça veut dire que tous les hauts fonctionnaires qui avaient l'habitude de l'appareil d'État, c'est pas pour dire que le système capitaliste est parfait, mais il y a des degrés. Aujourd'hui, ces gens-là ne sont obsédés que par une chose, le profit, le profit, le profit. Donc les critères qu'ils utilisent pour un hôpital comme Tenon, c'est la productivité. Et au moment des 35 heures, ils ont refusé d'embaucher du personnel en suffisance. Et du coup, il fallait augmenter l'activité avec moins de personnel. Ça veut dire quoi ? Pour y arriver, il faut faire comme chez Renault ou chez Toyota. Plus tendu, zéro défaut, juste à temps. Et avec cette méthode qu'on appelle le lean management, on a formé les cadres à rendre responsables et coupables des personnels. On a cassé les collectifs de travail. Et ce que je trouve la grande leçon de cette pandémie, c'est quoi ? Un, une absence totale de l'État, qui a détruit les stocks de masques, qui a détruit les structures, et c'est au moment de Hollande, qui était chargé du suivi et d'anticiper sur les pandémies possibles, qui a détruit les stocks de masques. Donc quand on nous a dit au départ, alors en plus c'est des menteurs, quand on nous a dit les masques, les droits de COVID, ça ne sert à rien, c'est parce qu'il n'y en avait pas. Et maintenant, on nous oblige à le mettre. Alors qu'aujourd'hui, les masques dans la rue ne sont plus décisifs. Par contre, le dépistage, oui. Qui est-ce qui fait le dépistage d'une manière systématique ? Mais non, on ne le fait pas. On ne le fait pas sérieusement. Donc voilà. Donc on a d'un côté un système qui est dans l'incapacité complète, dont le seul souci, c'est le profit. Et troisièmement, on est sous l'exceptionnel. C'est ce qu'a montré les personnels des hôpitaux et toutes les structures autour. C'est pour ça que nous, on demande la prime pour tous les personnels, y compris les non-titulaires de l'hôpital, y compris les personnels de ménage, qui ont mené une lutte. C'est-à-dire, nous, on l'a déjà mis. C'est-à-dire que maintenant, nous regroupons pour faire plusieurs hôpitaux, etc., pour faire des supra-GA, etc. Nous, on avait dit à la DRH, donnez-nous la boîte, on vous la fera tourner, même avec les contraintes financières. Parce que c'est bien le personnel qui l'a démontré tous les jours, pendant des semaines,
que seul a été capable d'organiser, de refonder un collectif et d'organiser en fonction des besoins de la population. C'est ce qu'on voudrait, je peux vous dire que tous les documents, tous les articles qui sortent, les projets qui sortent en ce moment, sont pour privatiser à marche forcée l'hôpital public, de revenir sur la notion, par exemple, il y a un article, il faut lire Le Monde, il y a une série d'articles qui vont sortir, où Martin Hirsch, directeur général de l'assistance publique, lance l'affaire du salaire au mérite. Ça fait des années, c'est la notion de salaire au mérite. Ils estiment qu'on pourrait donner un salaire de base et un pourcentage en termes de productivité. Donc ça, c'est la négation même du service public. Et le message que j'aimerais, dire quand même, puisque c'est une réunion féministe, c'est que moi, ce qui m'a toujours frappé dans les luttes qu'on a menées, c'est la détermination des femmes pour qu'elles se lancent dans la bataille. Et je peux vous assurer que c'est une conviction profonde. Ah ben ça, c'est... Ça fait longtemps que ça dure. Non, mais ce qu'il y a, c'est compliqué, je pense, pour les femmes. La dépression, la famille, etc., les gosses, tout ce qu'on voudra. Mais une fois que les femmes ont décidé de se lancer, c'est pas pour rien et elles vont jusqu'au bout. Absolument. Nous, on a des exemples incroyables de lutte qui ont été menées sur le tenant, de manière fantastique. Donc vous ajoutez, un niveau de formation très élevé, une capacité à comprendre ce qui se passe plus élevée aussi. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est s'organiser pour arriver à casser cette logique capitaliste. Voilà. Bravo! Je vois aussi un petit peu plus loin là-bas qu'il y a quelqu'un d'enseignante, me semble-t-il. Peut-être qu'elle pourrait venir aussi après nous dire quelques mots. Ça va être appuyé un petit peu. Non, pas encore, tout à l'heure. Ah, écoutez, on va tout à l'heure. On va se couper de celle-ci. Et je crois qu'on a vu, j'ai vu qu'il y avait des élus qui étaient là. J'ai aperçu Raphaël tout à l'heure. Daniel Simonet. Je vois qu'il y a Daniel Simonet qui est là également. On leur donnera. Et moi, je souhaiterais faire une intervention après concernant les violences et ce qui peut se passer au niveau des violences. On a beaucoup souffert à Thenon pendant notre lutte. Et ce qui se passe aussi encore, et dont on parle très peu, quand les femmes sont accueillies dans les commissariats. Oui, bonjour, moi j'interviens au moins pour avec deux casquettes. On a lancé, je suis de Saint-Denis, et je suis Maison des Femmes de Paris, je parlais donc par rapport aux violences et comment on a travaillé pendant 2 mois en réception, et le samedi et le dimanche, avec des situations de femmes, Zara aussi bien que Claudie peuvent en témoigner ici, quasiment nuit et jour et les week-ends sur les accueils, et des accueils absolument délirants de femmes SDF ou enceintes, mises à la porte, strangulées, ne voulant pas partir parce que n'ayant rien, etc. Donc d'autres copines pourront témoigner là-dessus, sur la situation des femmes confinées, ayant subi et continuant à subir, avec enfants, fuyant, etc., dans des situations absolument délirantes. Sur Saint-Denis, on a 2 hôpitaux, l'hôpital Casanova, et qui est plutôt épostro et accueil et fin de vie, puisque depuis quelques années, il y a eu création de lieux de fin de vie dans Casanova, donc métropole de Paris, et Saint-Denis de La Fontaine. On est en train de créer un comité de soutien qui est, on va dire, un peu encarté pour l'instant, mais quand même qui s'élargit, énormément de considérations autour de la condition des femmes, que ce soit bien sûr aide-soignantes, que ce soit infirmière, donc énormément de femmes qui sortent, des médecins aussi. Il faut savoir qu'à De La Fontaine, il y a jusqu'à 30 médecins qui sont sortis solidaires et un des plus, on va dire, radicaux au niveau des syndicats. Ça ne s'était jamais passé à De La Fontaine. Il faut savoir qu'à De La Fontaine, encore il y a 3 semaines, il n'y avait pas de gants. On est allé chez l'épicier de Saint-Denis du coin pour récupérer des gants pour Saint-Denis de La Fontaine. Des gants, avant c'était les blouses, on a fabriqué des blouses. C'était juste avant de chanter l'hymne des femmes pour dire qu'on était mobilisés à Paris, mais il y a aussi des copines mobilisées à Mantes-la-Jolie, à Marseille, à Rennes, à Toulouse,
Lille, à Lyon, et je crois que j'oublie encore d'autres villes, je crois qu'il y a Nice, il y a Nîmes. Donc, 3 mois après le 8 mars, les féministes n'ont jamais baissé la tête, mais elles se donnent les moyens de faire entendre ben, tout ce qui a été dit aujourd'hui, et c'est important qu'on mentionne que ça se passe pas seulement à Paris, mais dans pas mal d'endroits en France, et qu'on va continuer, si ça se trouve, toutes les 8 de chaque mois. Je voudrais aussi dire 2 mots, parce que c'est vrai que ça tient le haut de l'activité, qu'on s'associe, même si ce n'est pas notre propos direct d'aujourd'hui, qu'on s'associe tout à fait à la lutte antiraciste qui a lieu en ce moment en France et aux États-Unis. C'est très important. On veut nous aussi avoir la vérité sur Adama, comment il a été tué, etc. Et beaucoup d'entre nous ont été aux manifestations diverses qui ont eu lieu et on continuera à y aller. Ça semble très très important. Allô. Alors bonjour, je voulais juste vous transmettre une parole du Chili. Je viens du Chili, j'espère que vous connaissez un petit peu la situation. C'est un pays qui est en Amérique du Sud, on a une petite révolte depuis les Espagnols, mais là récemment depuis octobre 2018. Et ben, je suis très contente de voir les Français, les Françaises surtout, mobiliser parce que c'est vrai qu'au Chili, on a eu la privatisation de tout le public depuis la dictature. Ça fait 40 ans qu'on a ça en plus et on voit les conséquences et c'est vraiment pas drôle. C'est plutôt triste. Donc c'est important de se battre, c'est important de se battre pour maintenir le public et pour éviter la privatisation parce que ça revient à des intérêts privés. Je ne sais pas si on est très d'accord avec ces intérêts-là. Donc, je suis très contente de vous voir commencer à vous mobiliser pour ça parce que nous, on sait déjà qu'est-ce que ça donne et ça donne de la merde. Voilà. Repousser
les limites autour de la maltraitance et des grandes violences subies. Ça c'était vraiment quelque chose qu'on a vraiment vécu et touché du doigt, comme jamais on l'avait touché du doigt, de manière aussi énorme. Les commissariats, on était en train d'en débattre là avec une copine d'Elila et puis Zara, et ben, s'ils sont formés et s'ils sont là, il et elle, et ben, ils vont faire un accueil, ils vont se démerder. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a refilé les bébés, parce qu'il y en a eu beaucoup, hein, de femmes enceintes et de femmes avec des tout petits bébés. Ils nous les refilaient, c'est-à-dire ils se disaient de toute manière, en fin de course, parce qu'il faut savoir que la plupart des grosses associations étaient fermées. Et quand je dis fermées, c'est fermé, c'est-à-dire pas d'écoute, pas de téléphone, que dalle de chez que dalle, pendant 2 mois et demi. Donc il y a eu des permanences, mais voilà, à des moments donnés, ça bouclait. C'est pour ça qu'on a tenu le coup le week-end aussi, il faut le savoir. On a tenu le coup tous les week-ends pendant près de 3 mois. Et que c'est l'horreur, c'est-à-dire qu'il faut quand même... Non, mais c'est pas le cas, c'est pas ça le truc, c'est qu'il faut savoir que ça va continuer. C'est-à-dire sur tout le 93, il y a et la misère, parce qu'on a fait les paniers, par exemple, moi j'ai fait les paniers solidaires de La Fontaine pendant X temps pour les invisibles, c'est-à-dire les gens qui font la paie, qui sont les petits, qui font le ménage, etc. On parle même plus des hospitaliers, c'est ceux dont on n'a jamais parlé pendant les 3 mois, par exemple. Donc on s'est décarcassé sur Saint-Denis. La plupart de qui fait ça, des femmes naturellement, des militantes naturellement, de tous âges, les femmes des quartiers, les femmes de ma cité d'en face, etc. C'est ça aussi qu'il faut se rendre compte, et ça va être encore pire dans les mois qui viennent. Et c'est pas du pessimisme, c'est pas du misérabilisme, c'est une réalité. Il faut se rendre compte aujourd'hui qu'il y a et les violences subies par les femmes, les enfants, et c'est plus de la précarité, c'est de la misère qu'on est en train de vivre. Il n'y a plus de sous pour le Secours Populaire. On a soutenu plus de 700 étudiantes et étudiants, 700 en 2 mois, à Paris 8. La précarité des étudiants, on leur a offert un mois de loyer. Pareil, le confinement des étudiantes et des étudiantes, ça a été des violences de jeunes dont on ne parle pas. On ne parle pas quand ils sont retournés dans la famille, quand ils sont homo ou lesbiennes. Que les parents ils veulent même plus les voir, etc. etc. C'est-à-dire que c'est vraiment un panel et une transversalité de violence, non sociale et physique, hein, des mecs, qui est arrivée à son paroxysme. Et ce qui est délirant, parce que les femmes, eh ben, elles banalisent quand c'est cette situation-là, elles disent bah, occupez-vous de nos enfants, par exemple. Là, en ce moment, il y a une association aux femmes, les femmes de Framboisin. En plein Framboisin, une cité sur laquelle on intervient beaucoup, et ben, les femmes elles disent bah, occupez-vous de nos mômes, parce que vraiment ils n'ont pas reçu d'école depuis 3 mois, mais nous bah, ça passera plus tard, ça ira plus. Donc encore une fois, les femmes reculent, elles se voient en tant que mères, elles protègent leurs mômes et elles minimisent les violences. Il y a des femmes qui ont été strangulées, il y a des femmes qui ont été torturées, tout ça elles ont tenu. Certaines d'autres, elles fuyaient enceintes, etc. Et tout ça, c'est pas du misérabilisme, c'est de la réalité, et c'est des centaines qui sont passées comme ça. C'est pas pour rien qu'on a eu plus de 700 personnes qui sont mortes sur Saint-Denis. Voilà, c'est pas pour rien. Excusez-moi, mais voilà, il faut se bouger le cul. Pendant le confinement, il y a eu beaucoup d'annonces. Le pharmacien, le centre commercial, on nous a dit que c'est à l'agresseur de sortir, c'est pas à la victime. Sauf que dans la réalité, c'est autre chose. Donc nous, effectivement, on a contacté les avocats pour demander une ordonnance de protection. Ben, les avocats ont refusé. Tout de suite, ça va être refusé. On ne la demandera même pas. Pendant la période de confinement, il y a eu 5 ordonnances de protection sur l'Île-de-France. Vous imaginez, avec le nombre de femmes qui ont osé partir. Donc, toutes les annonces du gouvernement, effectivement, bah, c'est des annonces gratuites. Il n'y a rien.
les revendications, c'est toujours les mêmes. Il faut du fric contre les violences faites aux femmes. Il faut que les lois soient appliquées. Parce qu'on passait notre temps quand même à appeler les commissariats de police pour qu'ils reçoivent des femmes. Parce que les femmes arrivaient, on leur disait, c'est fermé, c'est le confinement, revenez après le confinement. Donc c'est ça aussi la réalité. Donc la réalité, donc nous ce qu'on demande, de l'argent, du fric pour les hôpitaux et du fric aussi contre les violences faites aux femmes. Et alors, au niveau des luttes qu'on peut mener, il y a quand même un certain nombre de choses au niveau des délais qu'on a gagné entre guillemets. C'était pas grand chose durant le confinement. Il y a par exemple l'ordonnance de protection qui a été augmentée de 2 mois voire de 4. Le texte est tellement compliqué qu'avec une assistante parlementaire, on n'arrive pas à comprendre si c'est 2 mois ou 4. En tout cas, il y a eu au moins une augmentation des délais de l'ordonnance de protection qui est normalement de 6 mois, de 2 mois, voire de 4 mois. Ça, c'est une chose qu'il ne faut pas nous enlever. Deuxièmement, il y a des structures d'urgence qui ont été ouvertes. Par exemple, en Ile-de-France, pour l'hébergement des femmes victimes de violences conjugales, il y a eu le dispositif Marie Curie. 70 places, mais quand même. Attendez, mais ces 70 places, ça s'arrête le 31 juillet. Il y a eu effectivement une augmentation de la possibilité d'avorter à domicile de façon médicamenteuse de 2 semaines. Ça aussi, normalement, ça doit virer. Donc on a viré, ça doit plus avoir lieu, c'était lié au confinement. Donc toutes ces petites, très 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 petites avancées, il faut en plus qu'on les confirme. Voilà, donc c'est vraiment plus l'égalité salariale, plus la revalorisation, plus les revendications générales, 1 milliard pour les violences. Normalement, il y avait pendant le confinement la priorité à l'expulsion du conjoint violent. Alors Zara l'a dit, c'était pas appliqué, mais c'était dans la circulaire de Belloubet. Vous voyez toutes ces choses-là, mais ce sont des choses qu'on a du mal à faire appliquer, mais qui étaient en plus exceptionnelles. Ben c'est terrible, voilà, on a plein de trucs sur lesquels lutter. Alors maintenant, plus beaucoup chante. C'est pas moi qui veux chanter. Hein. Josie, c'est toi qui veux chanter. Alors moi, on commence par le refrain. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Nous qui sommes en passé, les femmes, nous qui n'avons pas victoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Asservis, humiliés, les femmes, achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes en du monde reléguées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Seules dans notre bonheur, les femmes
Levons-nous comme d'esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Le temps de la colère des femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre part, les femmes. Découvrons-nous des milliers, levons-nous femmes d'esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes. Ensemble, révoltons-nous. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Bravo! En plus, elle l'avait pris sur le bon ton, elle a très bien chanté. C'était merveilleux. Travailleuse et courageuse, le meilleur. On ne veut pas, nous, on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous, on est là. On est là, travailleuse et courageuse, le meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous, on est là. On est là. Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On va les foutre dehors! On va les foutre dehors! C'est la seule solution! Unissons-nous! Unissons-nous! D'abord, nous sommes majoritaires! Les femmes, nous sommes majoritaires! Et d'un! Et de deux, foutons-les à la porte! La seule solution! Macron démission! Ah, oh, bah de rien! Ah, oh, bah alors là, la démission peut toujours compter. Voilà! On ne fait pas de tri. Ah bah, vous avez tort. Oui, c'est bien. Oh, bah, merci. Oui, non, mais il faut... Vous ne connaissez pas, mais j'ai tort. Mais non, mais vous dites que vous faites un tri. Pourquoi s'agglomérer? Alors, parce que sinon, si on ne fait pas des paquets de 10, on va être verbalisé. On peut être verbalisé. À chaque fois, il y avait pas...